Et là, ça commence à s'exciter. Du bulbe. Donc, ouais, pas de vidéo de la plage, mais on s'est bien baigné quand même. C'est que léger. On est au rooftop, il y a la Sicine. Le coucher de soleil, c'est presque pour maintenant. Voilà, ils ont bu. Ça domine la ville quand même. Ah, voilà. Petit peu de plage. Bon, pas mal de plage quand même. Et on a la piscine pour nous. Ça, c'est quand même une intense satisfaction. I can get no satisfaction. Non. Bah oui, mais tu veux te baigner ici, moi, en fait. Est-ce que tu veux te baigner maintenant ou tout à l'heure? Non, tout à l'heure, c'est tout. Ouais, ils sont belles, hein. Oui. Ils sont tous là, à mon avis, tu vois, la piscine, enfin la piscine, la plage, elle est surveillée là-bas. Hein. Là où il y a tous les gens. Bah, elle est surveillée là-bas aussi. Ah, mais là, elle est plus grande. Donc, et il est où les. Ah oui, il y a le sauveteur. Non, c'est les drapeaux italiens. Ah non, espagnol, là, jaune et. Jaune et rouge. Non, je vois pas, c'est trop loin pour moi. En dessous, non. Non, c'est un autre drapeau là. Eh ben, on t'a dit, tu manges. Sauf si t'as. Bah, il y a 4 heures. On découvre les rochers à cet endroit là. Donc vous avez vu les drapeaux noirs et tout ça? Non, ils sont pas noirs, t'as raison. Voilà. Pourquoi vous? Moi j'ai jamais dit que non. Ouais, c'est ça, ouais. Elle se défausse. Non, mais c'est vrai que les pierres comme ça, on se croit au Tréport. Ah non, pas au Tréport, à Cabourg. À Cabourg. Avec les gros. Qu'est-ce qu'on a rapport avec Cabourg? Ah, les gros rochers qu'on marchait dessus. Ah oui, la petite plage. Ouais, jamais vu ça. Bref. T'étais pas une fiotte à l'époque. Je suis pas une fiotte, mais. Patrick Andersen. Il est tout seul en plus. T'es un vieux dep. Il attend son jeune soupirant. Tu vois, il y a des cailloux comme ça, il y en a partout. Et on les avait jamais vus. Ça fait quand même un paquet de temps qu'on vient ici. Donc on était déjà là en 2016. Hein, ça commence à dater. Il y a de l'eau sur la plage. Où ça? Ah oui. Ça n'a pas duré. Ça va, peut-être que le coefficient de marée basse il est tellement bas que mais ça m'étonne quand même. Non, j'ai fait attention. Bouh. Coucou Nathan. On fait les deux, marée haute, marée basse. Ah! Le petit sauveteur espagnol. On fait une photo de groupe là. Du monde dans l'eau quand même. Mais les vagues sont trop gras.
sont trop grosses pour Pamela Anderson Lutsky. Hein, Pam? Elle a pas de maillot de bain rouge, c'est vrai. J'oubliais. Ok, bon, on y va là. Et Kurt Cobain, il a pris cher, hein, en bas. Un petit t-shirt Nirvana. Hein. C'est un peu séco. C'est un peu séco. Il y a du monde sur la route, hein. Cocotte qui attend le bus, qui est mal réveillée. Parce qu'il y a toujours plein d'excuses pour qu'elle dorme pas alors qu'elle dort partout et n'importe où. N'importe où et surtout n'importe où. T'es juste pas fatiguée parce qu'elle a rien fait. Bien sûr. La petite plage. Eretegia, qu'elle a dit la dame. Que ça s'appelle. Et nous on s'est fait avoir avec les horaires de bus, je pense. Il y a du peuple, hein. Les sirènes. Sirène blanche, sirène rouge. Sirène écrevisse et sirène rouge parce qu'elle a pris des coups de soleil, c'était bolos. Et donc leur objectif, c'est d'aller là. Ça a l'air bien chaud. Hein. Voilà, Saint-Jean-de-Luz, ça plaît parce que voilà, c'est quand même relativement calme. C'est pas ici que t'apprendras à faire du surf, mais c'est quand même ici que tu peux rester toute la journée. Alors, combien de temps il va leur falloir pour aller jusqu'au ponton? C'est la grande question. Est-ce qu'elles sont montées? Est-ce qu'ils ont encore la petite tête dans l'eau? Je te vois.
Ah pardon. Bah va falloir recommencer. Prenons un plan large. Quand même, c'est mieux. Est-ce qu'elle remonte ? Ils ont fait un petit saut et reviennent, hein. C'est pas l'attraction du siècle. Hein. J'aime bien la touche verte. C'est l'entrée du port. Il est gros lui, hein. Le nid est court. Là c'est vert aussi mais c'est plus plat, tu donnes moins de poids. Alors, qui sont ces gens? Bon, c'est pas elle, elles sont là. Oui, bah oui, on t'a vu. Là, je vous ai bien vu. T'es loin. Ça, le bébé. T'as ton petit lit. Alors, il y a des grands rideaux, mais il y a des petites fenêtres. C'est rigolo. Hein. Ah, Studio City. C'est vrai qu'on est proche du centre. Vachement plus proche. Ok. C'est très 70 dans la déco. C'est très art déco. Bon, on a quand même été accueillis en sortant de la gare de Liverpool par des trombes d'eau. Alors qu'il faisait un beau soleil à Manchester. T'as pas assez de serviettes. Bah c'est pas grave, on va pas prendre de douche. Hein. Bon, tiens. On va pas se laver. Hein. Alors, je vais m'en racheter un souffle, quoi. J'ai le droit, hein. Non, j'ai pas le droit. Yeah. Ah si, ça s'ouvre à l'espagnolette. Ouais, mais ça s'ouvre... Ça s'ouvre de l'épaisseur d'un... Mais t'es pas venu voir la salle de bain. Paquet de cigarettes. Elle est trop bien. Est-ce qu'il y a les toilettes intégrées? Ah oui, il y a les toilettes. Ah, cool. C'est vrai que ça fait un peu japonais, ça. Et là, c'est quoi? Oh, puis il y a les toilettes à l'italienne, c'est pour ça qu'il y a la... Non, il y a deux toilettes. Non, mais il y a deux douches, les douches à l'italienne. Ah oui, ça je sais, j'en ai marre des baignoires. Non, ça me saoule. Par contre, j'ai mis mon téléphone. Oh, puis j'avais même pas vu que l'écran de télé. T'as une grande armoire pour manger tes amis. On a la télé, c'est comme chez nous. Bref, on va rester ici, on va jamais rentrer. Bon, à part la météo, hein. Voilà, mais bon. À la Sicile. Parce que là, si on sait pas qu'on est en Angleterre, tu le sauras jamais, tu vois. Les dents, les gens... C'est pour ça qu'ils mettent pas des Birkenstock. Hein. Pieds nus dans les flaques.
Ils sont allergiques au botox et au chou, ces gens-là. Ça y est, les touristes en goguette. Donc ici, c'est Penny Lane. Donc on a pris le bus. Voilà. Coucou, Nathan. Coucou, je suis la plus moche. Non. Coucou, je suis la plus moche de tout le terre-terre. Oui, on sait, Périne. C'est pas vrai. Si, si, regarde. Regarde le survêt. Pour tes 18 ans, je le ressortirai. Voilà, on l'emmène dans des pays. On l'emmène dans les pays. Antifrice de flemme. Non, mais la météo. Le soleil est anglais. Voilà, chargé. Par contre, on est au mois d'août quand même, et c'est vrai qu'on aurait pu y aller en short. Alors, quand est-ce qu'on traverse hein? Never. Oh. Ça y est, on a traversé. Tu m'étonnes. Ils nous saoulent. On est bien qu'entre nous à se bourrer la gueule. Tiens, Yann. On est accueillis. Regarde ces toutes petites jambes là. Oh. Et si je filmais tes gros petit... boutons. Tes gros boutons. J'ai pas de boutons. Ah non. Tu veux que je filme ton bouton sur le front là? Ah, John Lennon. C'est lui? Bah s'il y en a qu'un, ouais, en général c'est lui. Voilà, c'est lui. Je suis trop forte. Avec son t-shirt New York. Touche pas. Allez, dégage maintenant. Laisse faire les pros. Laisse faire les pros. Oh, et ça c'est à Londres. Donc tais-toi parce que je viens de l'enregistrer. Tu as l'air ridicule. Tu as l'air ridicule à ne pas savoir ça. Voilà Hercule en l'occurrence. Hein. Ben non, mais c'est pas là non plus. Ah, c'est de Penny Lane. Ah, ouais, tiens. Là, on peut dire, là, on y est. Bah oui. Il y a juste voir ça, juste parce que les Beatles, ils ont fait une musique sur ça. Hein. Oui, mais ben ça suffit. Et alors ben, fais une chanson. Fais une chanson sur un... Vaut mieux pas. Là, c'est une photo dans la chambre d'hôtel. Fais une chanson sur la... Le clos de la Motte Louvet, et plus tard, les gens y viendront. Si t'es célèbre. N'importe quoi. Eh ben, tu demandes à la prochaine, quand on le changera dans 20 ans. On en mettra un avec des notes de musique. Moi, je pense qu'il faut filmer. Attends, pour aller voir la caméra. Limi the caméra. Pourquoi? Faut filmer. Le pantalon de papa. C'est quoi la ref? Ouais, parce qu'on a filmé le tien, c'est pour ça? Oui, vraiment. Non, mais regarde, fais vas-y, 360. Il a un cargo, wesh. Je suis outré. J'en ai un kaki et un bleu marine. Bon, le bleu marine, je rentre plus dedans. Il y a la plaque, ouais. Parce qu'en fait, on est rentré par le côté qui est perpendiculaire à la rue principale. Et je pense que l'autre bout est beaucoup plus historique. Petite déco. Paul John Wingo. Bon, George. Ah bah c'est le prénom de l'époque hein. Je te rappelle qu'ils sont nés pendant la guerre hein. 63 pénis, ça rappelle plus que C2, 25 plus réservés. J'ai fait le premier. School. Preschool. Hey, on est dimanche, on est en vacances. En fond de teint. Et malgré ça, on était contents. C'est le vélo. J'ai plus l'occasion, c'est là.
Bah, hello, goodbye. Tu sais goodbye, I say hello. Ouais, c'est ça. Comme de là. Bah, et hello, goodbye. Tu sais, les titres avant, c'était pas compliqué. Hein. Comme China Girl. Hein, et... Il y a un truc aussi, c'est qu'à propos de, du chauffeur de bus qui est plus sympa que celui de Roissy, c'est qu'ici, on est quand même pas sur Paris, quoi. On n'est pas sur Londres, on n'est pas... On est en province. En province. Et en province, ouais. Les gens, globalement, même s'ils sont pas tous sympas, si t'es sympa avec eux, ils te le rendent. Même en France. Elle est où la plaque en... Elle n'existe plus la plaque en... Ben celle en... Ils ont enlevé toutes les plaques en... Toutes les plaques en... En béton, en pierre. Il n'y a plus que des plaques comme ça. Ben le... Il faut dire ils sont pas chiés. Ils pètent ici, ils n'hésitent pas à tout péter. He's in my ear and in my eyes. Bon, là on est chez Paul McCartney, donc il y a l'autre avec sa voiture bleue qui s'est mis en double fil, certes. Après toutes les... C'est assez symptomatique, hein, de Liverpool, des grandes avenues comme ça, dans lesquelles il y a plein de gens qui habitent. Plein de gens qui habitent, les deux espèces de voies, quatre voies. Mais les gens sont garés quand même sur l'une des voies et il y a les bus qui passent. Ce qui permet quand même de se balader en ville et aussi d'habiter. Les gens qui ont des belles baraques habitent par ici, on va dire, au plus proche de la ville. Donc ils ont dû trouver la maison de Paul McCartney. Je pense que c'est ici. Je pense que ça a dû quand même pas mal changer depuis la guerre. C'était il y a 80 ans. On ne reconnaît pas du tout en fait. Minutes, il arrive. Petit jardinet. C'est vrai que c'est une petite maison. Hein. Sgt Pepper Bistro. Bon, il est fermé. Ou il est en plus, il est en ce moment fermé, mais il est en rénovation. Donc là, nous nous dirigeons à pas feutrés vers la Childhood Home de John Lennon. Et je suis des sympas touristes au regard avenant. Et il a dû se faire arrêter. Personne qui habite dans cette... Ils sont tous en vacances. J'arrive même pas à reculer. Manque le grand angle. Ouais, ils étaient encore plus pauvres. Ouais, c'est ça. Vas-y, fais un procès. J'arrive. Ouais, mais tu parles, ils ont tous...
Bah si. En tout cas, c'est belle, c'est bien entretenu. Ça va les touristes? Ouais. Bah on est un peu déçus. Attention, voiture. Quoi? Alors, vu le public, tu devrais savoir ce qu'il y a à la télé. La merde. Oh. Ah. Coucou, Nathan. C'est bon. Donc, il y a une fan zone à Liverpool. Du 1er au juillet de septembre, du 1er juillet au 8 septembre. Fan zone avec tout ça. Bon, et là aujourd'hui, c'est pas du paralympique, c'est du cricket. Donc il y a des compétitions organisées, vraisemblablement. Hein. Les frères Lebrun sont passés par là. Avec les petites récompenses du jour. Tout ça dans le petit parc. Sans oublier la petite musique qui va bien. Alors là, c'est technique. Ah, c'est le Sri Lanka. Bon, c'est à côté du Hilton, hein, pour ceux qui veulent. Ça, c'est un peu, je crois, dans les années 70, là. On dirait le siège du KGB. Ils ont décoré le Hilton. Mais si on peut. Il suffit de suivre la voix. Suis la voix. Follow the voice. Oh, t'avais pas vu les petits bonhommes. T'as pris toi en photo, c'est vraiment une tour. Oh. Et alors? Ça te... Ah ouais. Ah ouais, c'est des... T'as vu, c'est le cycle. Oui. Ah non, je sais pas vu. C'était une accélération. À voir après, feu partait. Toi, t'as pas vu ça, mais wesh. Non, je peux faire attention. Non, je peux faire attention. Frotte. Ça a changé, hein, Nicolai. Le ici n'est pas l'intérêt. L'intérêt est là. La maison est retournée. Nous sommes face au Hilton. On déplaise à ces arbres qui sont dans le chemin. Donc, le parking du Hilton. Donc, forcément, il y a une petite Porsche. On peut rentrer. Tu peux voir le pire? On va revenir par le pire. Tiens, c'est là, ça. Merci. Traverse. Ouais. Bah oui, mais tu t'y prends mal.